ist auch gut. Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici un iPhone bloqué sur iOS 15. Donc voici un iPhone bloqué sur iCloud iOS 15 et je vais vous présenter une nouvelle méthode qui va vous permettre de faire le déblocage iCloud avec réseau sur iOS 15. Donc je tiens déjà à dire merci à tous ceux-là qui like et commentent mes vidéos et merci aussi pour les 10 000 abonnés. Nous sommes déjà à 10 000 abonnés et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et aussi activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je fais cette petite vidéo pour vous apporter la bonne nouvelle. Actuellement, nous avons une nouvelle application qui permet de faire le bypass iCloud avec réseau sur iOS 15. Et là, pour tous ceux-là qui ont des cartes bancaires et aussi autres méthodes de paiement, nous avons la nouvelle mise à jour de iOS 15. Donc, voici la nouvelle mise à jour de l'application checkm8.info. Je pense que ceux qui sont anciens sur la chaîne savent déjà comment ça se passe. Donc, voici la nouvelle version de l'application checkm8 et aussi la nouvelle version de l'application iRemove tools. Donc voilà, ces deux applications vont vous permettre de faire le bypass iCloud avec réseau sur iOS 15 actuellement. Donc ils ont déjà mis le support de iOS 15, donc c'est déjà compatible aussi pour iOS 15. Et là maintenant, ce qu'il y a avec ces deux applications, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser mon code promo SchoolKit237 afin d'avoir une grosse réduction sur l'achat de n'importe quel service dans ces deux sites. Donc actuellement, je vais tester avec l'application checkm8.info. Donc vous pouvez télécharger l'application sur Mac et aussi si vous êtes sur Windows. Alors, il y a la version Windows qui arrive. Donc actuellement, je pense qu'il y a uniquement pour la version pour Mac, mais par contre vous pouvez cliquer ici pour télécharger la version sur Windows et là vous allez pouvoir utiliser le code promo SchoolKit237 afin de faire un bypass avec réseau sur votre iPhone iOS 15. Donc ceci, ça marche à partir de, pour tous les iPhones, à partir de iPhone 5S jusqu'à iPhone X, et ça marche de iOS 12 jusqu'à iOS 15.6. Donc actuellement c'est compatible avec les iPad Air Mini et Pro. Donc les iPad Air Mini et Pro de 2013 jusqu'à 2017. Donc c'est compatible sur macOS et aussi sur Windows PC. Donc on va juste cliquer ici afin de télécharger. Moi j'ai déjà téléchargé ceci. Et maintenant si vous avez, donc là ça va dépendre de vous, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre, soit iRemove Tools ou alors soit checkm8. Donc nous allons tout simplement cliquer là et maintenant nous allons sortir. Donc je vais sortir ici et je vais ouvrir tout simplement l'application. Lorsque vous allez ouvrir l'application checkm8, voici comment vous allez faire afin de pouvoir faire un bypass avec réseau à un prix hyper bas, parce que cette application elle a cette particularité d'offrir des déblocages à un prix hyper bas. Donc on va juste connecter notre appareil et maintenant la version de l'application c'est 4.0.1. donc ça c'est une nouvelle mise à jour et voici mon iPhone 8 plus. Et c'est sur iOS 15. Donc on va juste connecter l'application et l'application va vérifier automatiquement si l'appareil est compatible pour un déblocage avec réseau ou alors sans réseau. Donc actuellement on me dit que vérification, il y a une erreur de vérification parce que ma connexion n'est pas si bonne. Donc je vais changer la connexion et là nous allons continuer cette vidéo. Voilà, une fois la connexion changée, nous allons déconnecter et puis reconnecter à nouveau. Là, j'ai changé d'iPhone parce que là, c'est un iPhone que j'avais changé le IME. Donc, je vais faire une autre vidéo. J'avais changé le SN de cet iPhone-ci. C'est pour ça que ça n'arrive pas à détecter avec cette application. Donc, si vous avez un appareil que vous avez déjà fait un bypass sur ça, alors il va falloir retourner et remettre le SN d'origine avant de pouvoir connecter à cette application. Donc, maintenant, j'ai connecté un appareil et là, on dit « Congratulations, your device is supported ». Et maintenant, après le paiement, nous allons tout simplement nous rendre ici et ça va fonctionner avec réseau. Donc si vous recevez ce message, ça signifie que votre téléphone est compatible pour un déblocage avec réseau. Donc actuellement ici on va entrer notre nom et donc ici vous allez entrer votre propre nom. Donc ici on va entrer le nom, ça dépend de vous, vous mettez le nom que vous voulez et maintenant vous écrivez votre email ici. Une fois terminé, vous allez entrer le code promo SchoolKit237.
Et maintenant, lorsque vous allez entrer le code promo, ici, vous pouvez payer par trois méthodes. Vous pouvez, si vous avez une carte, vous sélectionnez ça. Si vous avez les bitcoins, vous sélectionnez ça. Et si vous avez les Ethereum, donc ça, c'est les deux, ces deux modes de paiement. Ce n'est pas crypto-monnaie. Donc, si vous avez les Ethereum, vous payez. Si vous avez les bitcoins ou alors si vous avez une carte. Donc, nous avons trois modes de paiement. Donc, une fois terminé, on va cliquer sur Apply Promo Code et vous allez voir la grosse réduction qui sera appliquée ici. Donc, une fois terminé, si j'appuie tout simplement sur Apply Promo Code, ici maintenant, je vais juste appuyer ici et maintenant cliquer sur Buy. Donc, si j'ai une carte, je vais juste cliquer sur Buy et là, ça va me diriger automatiquement sur la page de paiement où je vais pouvoir payer. Donc, actuellement, si vous recevez ce message, alors vous allez tout simplement recommencer parce que ça va vraiment marcher. Et si ça persiste, alors vous allez contacter tout simplement le service client. Et une fois terminé, votre iPhone sera débloqué point, avec réseau. Je vous le rassure. Non, ne vous inquiétez pas. Cette application, c'est une application très sûre et elle va vraiment vous aider. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous rencontrez un problème, laissez-le dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez et surtout, activez la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo.